Ma plus grande découverte, probablement le fait qu'il existe une conscience universelle et une qu'on pourrait aussi appeler, dans une certaine mesure, l'intelligence du vivant. Je pars du principe que la somme totale des âmes dans l'univers est égale à 1. Et en fait, ton âme, c'est-à-dire cette énergie qui anime cette masse de viande et d'os, c'est la même que la mienne, elle n'est pas différenciée. C'est ce dont les bouddhistes nous parlent depuis 2500 ans, et en fait nous vivons dans l'illusion que nous sommes deux personnes ou plusieurs personnes séparées. Et donc la découverte, à travers certaines expériences, notamment en Amazonie, et puis aussi à travers la méditation, c'est qu'il existe une énergie universelle qui anime tout le vivant. Cette énergie-là, il me semble qu'elle possède une intention. Et cette intention, c'est de se répandre et de faire l'expérience d'elle-même. Donc en fait, si je devais décrire cette plus grande découverte avec d'autres mots, je suis l'univers qui s'expérimente lui-même à travers une très courte période, à travers une forme humaine. Alors, mon parcours, les gens le décrivent comme atypique. J'ai une première partie de ma vie qui chevauche la scolarité, où j'étais tout simplement joueur de billard, c'est-à-dire mes seuls revenus provenaient de cette activité. Donc j'ai fait plusieurs championnats d'Europe, plusieurs championnats du monde, et de l'âge de 17-18 ans jusqu'à 21-22 ans, je ne vivais que de ça, et ce qui me permettait de subvenir à mes besoins d'étudiant au final. Et puis, à un moment, vers 21-22 ans, j'ai voulu faire facteur. Et tout simplement parce que facteur, c'est dans mon esprit d'étudiant ce qui me permettait de travailler le matin, faire du vélo, être au contact de l'extérieur, être au contact des gens, et puis pouvoir continuer cette potentielle carrière de joueur de billard. Et la petite anecdote, c'est que j'arrive à l'entretien d'embauche en jean et en t-shirt, et puis on se rend compte, les recruteurs et moi, qu'il y a un problème. Et il me dit, mais vous n'êtes pas à l'entretien d'embauche de banquier, vous êtes à l'entretien de facteur, vous êtes à l'entretien d'embauche pour devenir banquier. Je dis, non, moi, je veux surtout pas faire banquier, ça ne m'intéresse pas. Et puis il me dit, si, vous verrez, vous ferez 4 mois de formation, vous allez faire banquier. Donc me voilà banquier. J'ai transféré. Donc j'ai arrêté le billard, j'ai transféré tout ce que j'avais appris à développer dans une pratique sportive, l'ambition, la recherche de l'efficacité, la persévérance, la motivation, je l'ai transféré dans le métier bancaire. Ensuite j'ai fait gestionnaire de patrimoine, puis gestionnaire de fortune en France, en Suisse, j'ai pris la direction d'une banque. Et pendant toute cette période, pendant toute cette carrière, qui a duré presque 15 ans, je savais pertinemment que quelque chose ne tournait pas rond, en fait. C'était pas ma place. Alors bien sûr, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de réseau, beaucoup de paraître, beaucoup d'ego. Mais pour moi, c'est quelque chose qui tournait pas rond, et j'étais pris dans ce que les Anglais appellent le « rat race », qui est en fait cette course à toujours plus, à acheter toujours plus. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'on fait un métier qui manque de sens. Et on y est malheureux, c'est des métiers où on travaille beaucoup, on gagne beaucoup d'argent, et du coup, on compense le stress professionnel par de l'acquisition matérielle. Donc en fait, c'est en cela que c'est un hamster dans sa roue qui se rend malheureux au travail et qui surcompense avec des plaisirs matériels, et puis on part en vacances dans toujours plus d'opulence, on achète toujours plus de voitures, des bouteilles de vin toujours plus chères, mais en fait on ne fait que rester à la surface des choses, et on ne va jamais voir à l'intérieur de soi, puisque ça nous empêcherait de travailler finalement, et ça nous empêcherait d'accumuler toute cette superficialité. Et donc à un moment, est-ce qu'on peut appeler ça un éveil? Est-ce qu'on peut appeler ça une révélation? J'ai eu le courage ou l'inconscience de tout arrêter et de dire stop, commencer par une année sabbatique. Lors de cette année sabbatique, j'ai eu un premier contact avec ce qu'on pourrait appeler, ou en tout cas ce que j'appelle le chamanisme, c'est-à-dire c'est un chamanisme mais qui ne s'est pas séparé des pratiques entéogènes.
Entéogène, c'est quoi? Théos, la racine, c'est théos, Dieu, gène qui génère, et en qui génère Dieu en soi. Donc, qu'est-ce qui est entéogène? C'est essentiellement les plantes. Certaines plantes qu'on appelle plantes sacrées, dont la plupart aujourd'hui se trouvent en Amazonie. Et donc, ces expériences-là m'ont permis, avec ce qui régnait en moi, cet appel de la spiritualité, ont permis de... comment dire, faire sauter une soupape et de me lancer dans l'inconnu. Et c'est un de mes auteurs préférés qui dit « C'est ainsi que la magie se fait, c'est en sautant dans le vide, en sautant dans l'abysse, et en se rendant compte qu'au fond, en fait, il y a un lit de plumes. » Et d'autres personnes disent « Mais c'est, il faut sauter dans le vide pour que les ailes puissent pousser. » Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé par une année sabbatique à expérimenter et explorer le chamanisme, un chamanisme qui n'est pas du néo-chamanisme, hein, mais qui est un chamanisme traditionnel avec une gestion d'outils entéogènes, de plantes, qui nous permettent d'accéder à une réalité alternative, qui nous permettent d'accéder à tout ce qu'il y a derrière ce qu'on est en train de voir. Là, on voit la matière, mais en fait, derrière la matière, et la physique l'explique de plus en plus avec des considérations quantiques, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il existe un monde superposé au nôtre. Certains speakers parlent de multivers ou de multidimensions. Eh bien, ces expériences-là permettent d'accéder à ces réalités dont la nôtre est sous-jacente et permettent de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà comment tout a commencé, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, et puis à cette période-là, j'étais au Pérou, et je me suis dit, j'avais que ça à faire, je me suis dit, je vais créer une page Facebook, et puis je vais commencer à écrire. Et je me suis dit que ben, si un jour j'ai 300, 400 abonnés, je serais vraiment très content qu'à chaque fois que je poste quelque chose, mes petites idées, eh bien, il y a 300, 400 personnes qui veulent voir. Et puis, les choses se sont emballées, c'est très rapidement passé à 3000, puis 10 000, puis 15 000, aujourd'hui on est à 40 000, et des livres en sont sortis, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de faire des textes, où j'avais des retours de gens qui me disaient « vos textes changent ma vie » ou « vos textes me guérissent », est-ce que vous ne voudriez pas en faire un livre? Donc j'ai commencé à faire des campagnes de crowdfunding, j'ai refusé les propositions d'éditeurs pour éditer moi-même, pour avoir plus de liberté, et voilà, aujourd'hui je vis de mes livres, j'ai commencé une activité il y a 2 ans de thérapeute, sans aucune case ni aucune prison académique, je ne suis pas psychologue, encore moins psychiatre, et donc c'est une approche décloisonnée de la relation d'aide, en fait, avec des considérations qui sont tout aussi psychologiques que spirituelles. En fait, dans mon rapport au monde, je considère, et c'est ce que je disais un petit peu avant, qu'on est tous habités par quelque chose qu'on appelle une conscience universelle. De cette conscience universelle procède l'intelligence du vivant, ou l'intelligence de la nature avec un grand N. On se considère en tant qu'humain souvent comme séparé de la nature, alors qu'en fait, c'est partie intégrante. Il n'y a pas nous et la nature, nous sommes la nature, et nous sommes habités par la même conscience, et la même énergie, et la même intelligence que tout ce qui vit. Donc, soit on se positionne en tant qu'entité séparée de ce système, de cette écologie, de cette vie, soit on se positionne en tant qu'outil. Et mon expérience, par exemple, c'est pour ça que ça s'appelle aussi, que ce que je fais, mes livres s'appellent « Par un curieux hasard », mon expérience m'a montré que plus on se positionne en tant qu'instrument, outil, au service du vivant, plus il arrive des choses étranges. C'est-à-dire que c'est comme si le vivant favorisait ses éléments, favorisait les êtres qui favorisaient son expansion. Donc la question c'est, est-ce qu'on arrête la vie? Est-ce qu'on garde tout pour soi? Ce que je faisais avant, dans l'accumulation d'argent et de choses comme ça, et j'étais de plus en plus malheureux finalement, mes rapports sociaux étaient de plus en plus superficiels, ou est-ce qu'au contraire, on ouvre? Et on se met au service des autres. On se rend compte aussi que c'est pas facile de se mettre au service des autres quand on est perpétuellement en manque.
en manque de soi, en manque d'argent, en manque de sexe, en manque d'affection, en manque de sécurité. Et là, on nous dit, ah ben, il faut que tu t'ouvres aux autres. Non, 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 je manque de tout, il faut que... Là, il faut, vraiment que... Et donc, le shift, la bascule, c'est d'essayer de rencontrer quelque chose qu'on possède tous. Et cette chose-là, j'en parle encore, on fonce le clou, c'est l'intelligence du vivant qui circule en nous. Sauf que quelque chose va s'interposer. Et ce qui s'interpose, c'est l'ego. C'est « moi, je suis mieux que toi » ou « moi, j'en ai plus besoin que toi » et puis « moi, j'ai mieux réussi que toi » ou bien « surtout, ne m'approche pas » et donc l'ego est une structure, comme un programme informatique, qui est là pour nous protéger. C'est un outil qu'utilise la vie aussi pour permettre à ces éléments, à ces entités, de se préserver. Sans ego, je ne serais pas là en train de parler, je serais complètement dissocié, je serais complètement associé au monde et je n'aurais pas de personnalité, je ne pourrais pas m'exprimer, je ne pourrais pas relater ma propre expérience. Donc l'ego, beaucoup croient que c'est quelque chose à supprimer. L'ego, il faut le tuer. Alors qu'en fait, c'est une approche purement névrotique. L'ego, l'idée, c'est de ne pas en être l'esclave, mais d'en être le maître, c'est-à-dire de se servir de l'ego comme un outil. Si je me fais agresser, je vais me servir de mon ego comme un outil. Mais si je suis dans une structure et dans un environnement social bienveillant, me servir de mon ego va venir limiter énormément de choses dans le rapport à autrui et va venir me placer comme un instrument ou un élément non utile à la circulation de la vie. À non utile à cette intention que je prête à l'intelligence du vivant qui est de se répandre. Par le biais de quelle énergie? Par le biais de l'amour. Et en fait, cet ego est donc comme un programme de survie. Donc comment est-ce que... c'est un système de défense. Et donc je dis souvent, l'ego c'est comme l'épine de la rose. Si les épines sont trop grosses, tout s'effondre. C'est comme les griffes du tigre. C'est un outil qui sert à la rose, qui sert au tigre, qui me sert à moi. Mais l'idée, c'est d'arriver à transcender la surinflation de l'ego. On traverse la vie. Et l'enfance est le théâtre de tous les traumatismes. Et l'adolescence, et peut-être même encore à l'âge adulte. Et l'enfant... quand il subit ces traumatismes, qui deviendront plus tard des blessures, on les connaît, il y en a principalement 5, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, l'enfant est comme une éponge et il n'a pas le temps de souffrir en fait, il est d'une plasticité extraordinaire. Et donc il se construit à la lumière de ses blessures et se construit par là même et se renforce l'ego qu'on pourrait comparer à un rempart, qu'on pourrait comparer à un bouclier, un parapluie, un mur. Et bien tout ça, ça nous cloisonne. Et pour répondre à la question du départ, c'est comment caractériserais-tu l'avant par rapport à l'après? Quelle est cette différence entre ce qui m'est arrivé avant cet hypothétique éveil, s'il en est, et après, qui a été matérialisé par un changement de vie? C'est que avant j'étais délimité par mon ego. Je suis comme ça, et je suis ça, et je réussis, et je montre, et je brille. En fait, tout ça, c'est du domaine du cérébral. C'est un système de défense qui est là pour justifier notre existence et qui est là pour réparer, en quelque sorte, tout ce qu'on a subi quand on était enfant. Tous. Se connecter à l'intelligence du vivant, c'est se rendre compte qu'il existe quelque chose derrière l'ego. C'est la conscience universelle qui utilise l'intelligence du vivant, dont le but est de se répandre, et nous utilise comme un instrument. Si on met l'ego là-dedans, si on n'accepte pas de se faire toucher par la vie, si on n'accepte pas de ressentir ses blessures, de ressentir ses émotions, l'ego vient scléroser, vient cristalliser tout ça, et plus rien ne bouge en fait. Donc, entre l'avant et l'après, c'est tout simplement peut-être quelque chose, le mot qui me vient là, c'est un déshabillement. Oui, je suis mon ego, mais derrière, je suis autre chose. Et mon ego, je peux, à certains moments, l'enlever, juste le laisser de côté, et laisser circuler ce qui se passe entre la conscience universelle qui nous habite tous et les phénomènes, la vie,
la réalité. Et là, quand tu fais ça, il se passe quelque chose, surtout quand il y a un autre être en face de toi. Si j'interpose mon ego, je te propose une façade. Une façade qui va expliquer que, que moi on me la fait pas à l'envers, qui va m'expliquer que je suis par exemple un homme invrai, ou qui va m'expliquer que qui va vouloir vendre quelque chose, alors qu'en fait il n'y a rien à vendre, je suis le même connard que tout le monde et le même génie que tout le monde. Souvent, les gens, pour illustrer ma réponse à la question, ne veulent pas être des connards. Je veux pas être un insuffisant, je veux pas être un sale con, je veux pas être une pute, enfin toutes ces croyances-là en fait que la société vient nous plaquer. Mais en fait, on se rend compte qu'on veut pas être l'inverse aussi. Je veux pas être une sainte, je veux pas être un génie, je veux pas être un mec extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que tout ça, le côté positif de la chose qu'on est en train de fuir, donc je ne veux pas être un génie par exemple, c'est pour éviter d'endosser les responsabilités qui en découlent. Donc en fait, on ne veut pas être un sale con ou une connasse, et puis on ne veut pas être un génie ou un mec extraordinaire, ou une sainte ou une prêtresse ou une chamane, parce que c'est trop de responsabilités. Donc on se donne des limites qu'on ne doit pas toucher, et en fait on passe notre vie à faire du ping-pong. Et plus ces limites sont restreintes, plus on se dirige vers un mal-être. Alors que l'idée, c'est qu'on est tous les deux. On est à la fois un idiot et un con, et on est à la fois un génie, une personne extraordinaire. Et quand on arrive à englober les deux, on arrive à transcender l'ego et à pouvoir enfin se regarder là où on ne se sent pas très bon, en fait. Et enfin pouvoir s'autoriser à changer de posture et dire « Ouais, là, l'espace d'un instant, je peux me croire et je peux incarner le rôle d'une personne extraordinaire. Je peux incarner le rôle d'un thérapeute, je peux incarner le rôle d'un père, le rôle d'un amant, le rôle d'un homme qui s'effondre, qui a accès à sa vulnérabilité, par exemple, plutôt que d'être un homme qui est très viril et très insensible, ce qui mène souvent pas à grand-chose. » Donc, entre l'avant et l'après, c'est entre l'avant, c'est vraiment être enfermé entre deux limites qu'on ne veut pas toucher, et l'après, c'est arriver à s'accepter dans sa globalité, arriver à se regarder dans une glace, arriver à se foutre à poil au sens propre comme figuré, et de faire l'expérience de cela. Voilà ce que je pourrais dire entre l'avant et l'après. La charnière, le moment qui a permis de faire ce pas dans le vide, et puis on se rend compte que plus on fait des pas dans le vide, plus le chemin se crée, le chemin n'existe pas, c'est en faisant des pas dans le vide que le chemin se crée sous nos pieds. Hein. Le moment charnière, c'est des expériences de mort imminente, justement à travers le chamanisme, à travers une plante qu'on appelle l'ayahuasca, mais il y a plein d'autres outils, où on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que notre corps. On est beaucoup plus que cet ego, on est beaucoup plus que cette identité, et c'est ça, en fait, la grande réalisation. C'est ça, l'éveil dont parlent quasiment toutes les religions avec leur manière de le déformer. C'est tout simplement transcender les limites de ce que la société vient mettre sur nos épaules. On est, et puis on vient nous dire, tu es un garçon, tu es une fille, tu es pas sage, tu es bon à l'école, tu es mauvais à l'école, tu arriveras toujours à faire quelque chose, tu n'arriveras à rien faire. Et tout ça, on peut le transcender et se recréer. Le mot « Dieu » me fait hérisser les poils, et sans doute à beaucoup de monde, parce qu'en fait, on a enfermé dans ce « Dieu », dans le mot « Dieu » avec la culture qui est la nôtre, on imagine de manière très spontanée un homme avec une barbe blanche, et c'est pareil pour tout le monde, sauf les gens qui avancent un petit peu plus loin, et qui traversent ou qui transcendent ce concept anthropomorphe, et qui ont eu accès à la réalité sous-jacente. Ma vision de Dieu, je parlais d'âme, et il n'y a pas vraiment de différence. Je parlerais plutôt d'une substance qui habite tout le vivant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire, on a eu besoin, à une époque où les gens étaient en proie à d'autres préoccupations que les nôtres, c'est-à-dire... il était question de survivre, il était question de manger, il était question de se battre, il était question d'aller faire des guerres, on se posait des questions
autrement et il fallait des concepts à emporter qui étaient assez faciles. Et donc l'idée, c'est de dire, ben voilà, il y a un enfer, il y a un paradis, et il y a quelqu'un qui régit tout ça, et puis vous allez y croire, et d'ailleurs, si vous n'y croyez pas, vous finissez sur le bûcher, pour faire très simple. Comment s'est construit tout ça? Tout simplement, le premier contact de l'humain avec, je vais risquer le mot, avec sa divinité, mais je pourrais dire avec l'intelligence du vivant ou avec la conscience universelle, c'est les premiers chamans. C'est tout simplement l'humain qui a, en consommant la nature, en consommant des substances de la nature qui permettent d'accéder à un autre niveau de réalité, fait l'expérience mystique avec un grand M, l'expérience du mystère avec un grand M. Qui lui dit, qui lui transmet qu'en fait, ben voilà, tu es beaucoup plus que ce corps et que cette identité. Donc l'humanité a traversé, à ses débuts, une très très longue période où les hommes ne partageaient pas le même mépris que notre société a envers les psychédéliques ou les entéogènes. On parle de l'ayahuasca, on parle des champignons, on parle du LSD sous sa forme naturelle, on parle des cactus, on parle des amanites, on parle de beaucoup de choses. Il y en a plus de 800. Et comme ils ne partageaient pas le même mépris, ça faisait partie de l'alimentation. Et donc l'humain, qui a commencé à... Il y a plusieurs théories qui viennent appuyer le fait que l'art rupestre était justement fait sous influence, que c'était les premières œuvres psychédéliques lorsqu'on peignait dans les cavernes, hein, et d'ailleurs beaucoup de choses qui vont dans ce sens, beaucoup d'indications qui vont dans ce sens. À un moment, lors de la structuration en forme de groupe, lors de la sédentarisation de l'homme, s'est imposé un modèle qui était, ben voilà, moi je suis le chaman, moi je peux accéder au lumineux, je peux accéder au mystère, je peux accéder au divin, et puis vous, vous venez me consulter, et c'est d'ailleurs dans ces temps-là que le chaman était le centre de la tribu. Il était à la fois une forme d'autorité, à la fois le médecin, à la fois celui qui disait quand il fallait partir à la guerre, etc. Il avait souvent, mais c'était le cas des druides chez les Celtes, beaucoup plus de pouvoir que le chef. Une sorte d'éminence grise qui avait accès à plein d'informations et qu'on venait consulter. Donc là déjà, on assiste, déjà pour commencer, à une forme d'intermédiation. Tu ne peux plus accéder à ton expérience divine en étant libre, puisque moi je fais ça toute la journée, donc c'est pas la peine que t'ailles, entre guillemets, te défoncer la gueule, puisque moi je peux le faire, tu as juste à me demander, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps, les esprits m'ont dit. Les esprits m'ont dit, c'est encore une fois une tentative de l'homme de mettre des mots sur des choses qu'il ne comprend pas. Il en fait l'expérience, et pour relater son expérience du transcendant, du divin ou de l'universel, eh bien il va utiliser dans son répertoire de mots ce qui va le plus coller à son expérience mystique, psychédélique ou divine. Et puis on assiste pendant plusieurs milliers d'années à une forme d'institutionnalisation, d'organisation de ces expériences sacrées à travers des breuvages. Et c'était le cas notamment un petit peu partout, mais c'était le cas notamment en Grèce, où on assistait à ce qu'on appelle aujourd'hui des proto-religions, qui étaient les cultes à mystère. Les cultes à mystère, alors l'Empire grec, hein, c'était pas quelque chose d'uniforme qui ne parlait d'une même voix, c'était une organisation de cité-État, et chaque cité-État avait plus ou moins sa religion, avait plus ou moins ses dieux, même si aujourd'hui s'en dégage une forme de consensus, hein. Perséphone, Dionysos, qui étaient les principaux dieux auxquels on vouait une attention lors de ces cultes à mystère, qui étaient en fait des rites initiatiques qui s'étalaient parfois sur plusieurs semaines, et à l'issue duquel on buvait un breuvage entéogène ou psychédélique, il y a une nuance entre les deux propos, mais un breuvage qui permettait d'accéder justement à ce qui se cache derrière notre monde, d'accéder au divin. Quiconque, notamment en Grèce antique, Platon y est passé, Cicéron, Socrate y est passé par ces expériences-là, qui étaient en fait des expériences directes. On avait un rapport direct avec le transcendant. Et ces gens-là en ont parlé, ces gens-là,
dans leurs textes, dans leurs écrits, parlent de ce à quoi ils ont eu accès. Par contre, révéler ce qui s'y passe réellement dans cette initiation qui, pour les mystères d'Eleusis, par exemple, qui était le plus célèbre, durait une semaine, était puni de mort. On ne pouvait pas révéler les secrets, on ne pouvait pas révéler ce qu'on buvait. Aujourd'hui, on sait, par des disciplines comme l'archéochimie ou l'archéobotanique, en explorant les sites, on sait que on buvait essentiellement de l'ergot de seigle, qui est en fait un champignon qui pousse sur le seigle et qui contenait le LSD. Aujourd'hui, on extrait, on le synthétise, et on appelle ça le LSD. Mais voilà la forme originelle, c'était un champignon. On a aussi retrouvé des traces de beaucoup de consommation d'amanite, ou d'acacia aussi, qui est un mimosacée qui est très fréquent chez nous et qui contient une molécule qu'on appelle la DMT. Tout ça pour dire quoi? C'est que on assiste au fur et à mesure, à travers l'histoire, à une forme d'institutionnalisation de l'expérience dite religieuse, religieuse au sens non pas dogmatique, mais au sens religare, qui relie. Donc ça s'organise sous forme de culte à mystère, et puis l'Empire romain, au IVe siècle, on commence à dire, ben voilà, c'est le bordel, on est tellement grand, ok, notre religion c'est le christianisme, mais en fait tout le monde fait un petit peu sa sauce, donc Constantin, si je ne me trompe pas, en 321, réunit en un concile qui s'appelle le concile de Nicée tous les évêques, et puis il dit, bon ben voilà, on va faire un anneau pour les gouverner tous, on va prendre tous les livres qui parlent de la vie de Jésus, qui n'est en fait qu'un miroir avec le parcours de Dionysos, le dieu de l'extase. Hein. Jésus était un soigneur, en tout cas si on en croit, si on a une approche un petit peu plus rationnelle des textes qu'on a. Et puis ce concile va décider de faire un livre, un best-of. Un best-of qu'on appelle aujourd'hui la Bible, qui est même un best-seller, puisque c'est le livre le plus vendu du monde. Mais en fait, on va compiler dans ce best-of tous les livres qui vont aller dans le sens de ce, de ce qu'on dans le sens de celui qu'on veut donner à l'Empire, c'est-à-dire l'ordre, une forme d'ordre, une forme d'homogénéité. Et puis bien sûr, on a supprimé à ce moment-là les saints sacrements. Donc tout ce qui était psychédélique, toutes les substances qui donnaient vraiment accès à autre chose, eh bien on le remplace par une hostie et du vin. Tenez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Mais en fait, on assiste à un simulacre. Un simulacre de quelque chose de profondément sacré, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut découvrir avec le yoga, avec la méditation, avec la respiration. Les pratiques psychédéliques telles que les pratiquaient les chamans originels et les cultes à mystère, c'est quelque chose qui fait basculer notre compréhension du monde pour toujours. C'est une expérience qui peut être dangereuse, c'est une expérience qui peut être désagréable, d'ailleurs c'est pas souhaitable qu'elle soit agréable, elle est souvent bouleversante, et puis il y a clairement un avant et un après, puisque on est dans l'expérience directe, on n'est pas dans la transmission d'histoire, on n'est pas dans la transmission de texte, on est dans quelque chose qui est vécu réellement. Donc c'est ça, c'est la différence entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est croire en l'expérience d'un autre. La spiritualité, c'est créer sa propre expérience et y croire sans l'appliquer aux autres, en fait. Mais on pourrait aussi dire qu'on peut expliquer le goût du citron pendant 10 ans à quelqu'un. Cette personne, elle va assimiler les informations, mais elle obtiendra plus d'informations à la seconde où la goutte de citron touche sa langue que pendant les 10 ans de verbiage. Et bien voilà, donc ils ont créé ce best-of, et tous les livres qui n'allaient pas dans le sens qu'on voulait donner à l'Empire, qui parlaient de prostitution, qui parlaient de sexe, qui parlaient de plantes psychédéliques notamment, qui parlaient de ce qu'aujourd'hui on croit être des extraterrestres, etc., et bien tout ça, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, qui étaient des livres qui aujourd'hui n'ont qu'une valeur historique, comme la Bible elle-même, hein, on les appelle aujourd'hui des textes apocryphes, donc qui ne font pas partie des textes sacrés. Et donc pour avoir une vision un petit peu plus claire de tout ça, il faudrait, pour ceux qui souhaitent étudier la religion en dehors de son approche dogmatique, ce serait d'aller un petit peu regarder toutes ces choses-là et de regarder à quel point c'est imagé. Et voilà ce qu'on a fait de Dieu. Voilà ce qu'on a fait de Dieu, c'est-à-dire qu'on a travesti les propos d'un gars qui soignait avec les plantes, qui faisait des miracles avec les plantes, et on lui a tout simplement prêté
des intentions autres qui allaient dans le sens de la gouvernance d'un empire ou du bon ordre d'un empire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là, quand même, il transforme l'eau en vin. C'est assez extraordinaire, transformer l'eau en vin, comment c'est possible? En fait, le vin, à l'époque, donc vient de vigne, et en fait, était du vin tout breuvage enivrant. Mais qui dit enivrant aujourd'hui, c'est pas la même chose que l'ivresse d'antan, où l'ivresse d'antan, elle pouvait s'acquérir à travers les champignons, à travers les plantes, à travers le cannabis, qui est d'ailleurs mentionné dans la Bible. Il y a 206 plantes dans la Bible, et il y en a 97 qui sont identifiées formellement, dont le cannabis, qui était l'intéressé que Jésus utilisait. Et donc le vin, issu de vigne, était tout breuvage enivrant. Et donc comment on fait pour transformer de l'eau en vin? Ça n'a rien à voir avec le raisin. Ça a à voir avec toute substance qui peut transformer un breuvage de manière psychédélique. Et quand on regarde par exemple l'ergot de seigle et la puissance de la molécule issue de l'ergot de seigle qui est le LSD, qui est une concentration extrême, il est d'une facilité déconcertante de transformer de l'eau en vin, slash boisson enivrante, boisson mystique, qui nous permet d'accéder à une réalité alternative. Voilà ce qu'on a fait de Dieu par la suite. Ça c'est venu un petit peu plus tard au Moyen Âge, c'est que on a une approche anthropomorphique de cette spiritualité. On a quand même Moïse sur le mont Sinaï qui reçoit les 10 commandements en réalité, et ça c'est une hypothèse amusante qui a été développée par plusieurs académiciens israélites. Moïse était complètement défoncé. Il y a un buisson qui brûle, il prend les vapeurs, il lui arrive quelque chose, il est complètement en train de délirer, quelque chose lui arrive du ciel, il dit tu ne tueras point, mais tout ça c'est des règles de bon sens en fait, hein. Il redescend de sa montagne, il est bien obligé de transmettre son trip, puisqu'en fait il a vécu un trip. Et puis il dit, ben voilà, le Seigneur, ou celui qui parle. Et effectivement, quand on ingère dans un cadre légal, sécurisé, traditionnel, ces plantes entéogènes qui nous permettent d'accéder à quelque chose d'autre, on est bien obligé de réaliser que quelque chose nous parle. Et là, c'est la grande question. C'est là où une dose de scepticisme est souhaitable. C'est cette chose qui m'a parlé, cette chose qui me parle de mon enfance. J'ai envie de lui donner un nom. Ouais, c'est peut-être Dieu. Dans le cas de l'ayahuasca, tout le monde l'appelle la mère, la grand-mère ou la grand-mère, puisqu'on se rend compte que cette chose qui s'adresse à nous dans l'expérience de l'ayahuasca ou des plantes sacrées d'Amazonie est une entité féminine qui nous apparaît et qui nous transmet des informations à notre sujet. Est-ce qu'on n'est pas en train de, encore une fois, faire la même erreur qui a été faite par la religion, c'est de dire, ben voilà, je vais dire que ça, c'est comme ça, je vais dire, je vais la personnifier, parce que c'est immensément plus rassurant de dire que cette chose qui m'a transmis des informations à mon sujet, qui a soigné mon état psychologique ou qui a soigné ma détresse, puisque c'est ce qui se passe dans ces expériences, c'est ce qui peut se passer dans ces expériences quand elles sont bien conduites, eh bien, moi j'ai vu une mère universelle, j'ai vu Pachamama, j'ai vu Gaïa, alors qu'en fait, ce n'est que nous. Et c'est là où on touche au divin, c'est qu'en fait, comme je le disais, nous sommes l'univers qui s'expérimente lui-même pendant une très courte période à travers une forme humaine. Un de mes auteurs favoris dit que quand on se rencontre vraiment, quand on rencontre la divinité en soi, ça nous paraît tellement plus rassurant de croire qu'elle est à l'extérieur de nous ou de croire que, tiens, une entité extérieure à ce monde est en train de nous parler, parce que ça fait flipper. Quand on transcende l'ego, quand on transcende tous ces filtres de perception, et ça peut se faire à travers la méditation si on a 30 ans devant nous, c'est encore une fois cette histoire des limites où on ne veut pas être au bas de l'échelle, mais on ne veut pas être Dieu non plus. Alors qu'en fait, on participe de cette énergie, on participe de cette substance. Et ça n'a rien d'un ego trip ou ça n'a rien de malsain de dire que je suis, tu es, nous sommes tous une parcelle de Dieu, nous sommes tous un instrument du vivant et dont le seul but serait de se répandre pour faire une expérience toujours plus complexe, toujours plus approfondie, toujours plus jouissive de l'existence.
si la question c'est comment contacter ou comment se lier, comment se relier, d'ailleurs le mot religion vient de se relier, hein, avec cette intelligence du vivant ou cette intelligence universelle, c'est ce que j'explique parfois, c'est le chemin le plus long du monde, il fait 50 cm. Il vient de là, il part de là pour aller là. J'ai été pendant 30 ans ici et j'ai ouvert une porte qui m'a amené et qui a amené beaucoup de gens autour de moi à faire ce chemin où les intuitions, les choix de vie procèdent plus de l'intuition que d'une forme de cérébralité. Si on devait placer l'ego, il serait ici. Si on devait placer l'intuition, l'amour, la pulsion de vie, l'intelligence du vivant, la conscience universelle, il serait placé ici. On sait aujourd'hui qu'il y a des neurones dans les intestins. Mais en tout cas, ça se passe quelque part par là. Alors, certaines personnes, certains thérapeutes vont parler de clairvoyance. Quand on regarde la définition de clairvoyance, on se rend compte que dans l'acception générale du terme, il y a quand même le mot voyance dedans, on touche à la médiumnité, etc. Moi, je préfère parler d'intuition. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que là, je suis en train de recevoir, de la part de mon interlocuteur, des millions de messages. Mon cerveau en traite à peu près 200 000 à la seconde, et à ma conscience, en arrive à peu près que 200, dont je peux être conscient. Et puisque je peux les verbaliser aussi, hein. Mais quid et que faire de tout ce que je ne peux pas verbaliser et qui pourtant se passe dans mon corps? Eh bien, l'intuition est ce canal qui permet d'entrer en contact avec les millions d'informations à la seconde que je reçois. Et je peux essayer de les écouter en laissant le mental et l'ego et mes peurs et mes protections et mes mécanismes et mes blessures et mes traumatismes de côté et essayer de me concentrer sur ce qui se passe ici à un niveau beaucoup plus émotionnel. Et donc il arrive en consultation qu'il y ait des intuitions très très fortes, qui très souvent, pour pas dire tout le temps, tapent juste. Il n'y a pas de médiumnité là-dedans, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a de la clairvoyance? Tout dépend le sens qu'on met derrière le mot clairvoyance. J'ai un ami qui dit, la clairvoyance c'est l'art de regarder en soi pour voir chez l'autre. Et effectivement, je serais très pertinent si mon interlocuteur me pose une problématique que j'ai déjà vécue. Je vais regarder en moi, et surtout je vais regarder ce qui se passe en moi. Je vais regarder qu'est-ce que ça vient bouger, qu'est-ce que ça vient toucher. En psychanalyse traditionnelle, on fait attention au contre-transfert, donc il y a le transfert du patient au thérapeute, et il y a le contre-transfert, mais surtout le contre-transfert, on le laisse de côté. En gestalt, par exemple, ou en psychologie transpersonnelle, le contre-transfert, on le met au milieu de la table. Et on part du principe que si tu me consultes, c'est aussi pour mon vécu, et ce qui va sortir de cet entretien dit thérapeutique, c'est l'alchimie du consultant avec le consulté. Et on ne peut faire l'économie d'observer son contre-transfert et d'arriver à en faire quelque chose de beau et à le présenter et d'arriver à être soi-même le miroir de la conscience de l'autre. Pourquoi cette petite digression? Parce que l'intuition ou la clairvoyance, peu importe, est le résultat de ce passage de la tête au cœur. Et on se rend compte que dans nos choix de vie, soit on fait les choix par peur, soit on fait les choix par amour. Si on fait les choix par peur, on va prendre des directions qui seront complètement opposées et qui seront très, je cherche le mot, je vais utiliser le mot, qui seront très enfermantes. On est dans quelque chose qui se resserre pour éviter de prendre des risques, pour éviter de se confronter à nos émotions, pour éviter de se confronter aux peurs. Et du coup, le chemin de vie se restreint. Quand on est animé par une énergie qui est plus proche de l'idée qu'on peut se faire de l'amour ou de l'idée de ce qu'on peut se faire de ce qui se passe ici au niveau émotionnel, au niveau intuitif, c'est l'inverse. On ouvre, on rencontre les bonnes personnes, il y a des curieux hasards qui arrivent, les anciens appelaient ça la providence. Goethe en parle très très bien, c'est à partir du moment où on est engagé dans quelque chose, il y a tout qui se met en route. C'est Ralph Waldo Emerson, et non pas Paulo Coelho, qui disait « Quand tu désires profondément quelque chose, tout l'univers conspire pour le réaliser. » Et les sceptiques de dire « Oui, mais ça c'est de la pensée magique. » En réalité, la magie,
c'est tout événement dont on a perdu le lien de causalité. Or, le lien de causalité existe. Il est au niveau énergétique. Et quand moi, je prends une décision qui ne procède pas de la peur ou de la préservation de mon identité, de mon ego ou de mon orgueil ou de ma fierté, et que je prends une décision ici qui implique l'autorisation d'accéder à sa vulnérabilité, et ça peut être, on peut même parler de la vulnérabilité plus tard, c'est un sujet très intéressant. Une très vieille dame m'a dit, quand j'étais jeune, un jour, elle m'a dit « Il ne peut pas y avoir d'intelligence sans vulnérabilité. C'est impossible. Si je me coupe de mes émotions, je me coupe de mon intuition. Si je me coupe de mon intuition, je me coupe de l'intelligence du vivant. Je me coupe de la source universelle qui fait que je suis ce que je suis, qui fait que ce que je suis, c'est-à-dire divin, vivant, infini. Et bien sûr, je me fie à mon ego, qui est une petite boîte, un petit programme informatique qui permet de bien resserrer les choses. Et qu'est-ce qu'on fait pour transcender tout ça? Le mot magique, c'est courage. La définition du courage, c'est quoi? C'est transcender ses peurs. C'est de dépasser ses peurs. Pour les dépasser, il faut déjà les affronter. Comment on les affronte? En étant conscient. Je suis conscient de quoi j'ai peur. Ok, j'ai peur de ça, donc je vais y aller. Et là, ça part d'ici. Parce que si ça part de là, non, non, j'ai peur, je reste dans ma peur. Et la vie prend finalement une toute autre couleur. Elle est faite de consumérisme, de matérialisme, de capitalisme, de superficialité, de vanité. Et puis, finalement, j'aurais pu très bien rester banquier, ça aurait pu être sympa. Mais en fait, non. J'ai décidé d'aller vers ce qui me faisait le plus peur. Et c'est là que la magie arrive. Et on appelle ça magie, justement, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais en fait, quelque chose se passe. Et quand on se concentre ici, sur cette zone-là, par le biais de la méditation notamment, si on le fait un petit peu sérieusement, quelque chose opère. C'est-à-dire qu'on peut, on laisse l'ego de côté, on laisse ce programme, cette identité de côté, qui venait s'interposer entre la conscience universelle et les phénomènes, entre la conscience universelle et nos blessures, nos traumatismes, nos souffrances. Et en fait, la conscience universelle, qu'on pourrait aussi appeler la divinité en nous, l'intelligence collective, l'intelligence du vivant, elle guérit tout ce qu'elle touche. Et le canal, c'est l'intuition. Donc c'est ça, passer de la tête au cœur, c'est essayer d'écouter une chaîne différente. Essayer d'écouter un canal différent. Et ça peut faire très très peur, surtout pour les sceptiques. On rencontre tous de grands grands sceptiques qui parlent de rationalité, qui parlent de science. On dérive très rapidement vers le rationalisme et vers le scientisme, qui est en fait l'idée d'éluder tout ce qu'on n'explique pas. Et tout doit s'expliquer, tout ce qui ne s'explique pas n'est pas réel, tout ce qui n'est pas scientifiquement prouvé n'est pas réel. Ça, c'est une approche scientiste. Et en fait, la science et la vérité est une question d'époque, mais aussi une question de conscience. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui scientifiquement, ou ce qui est vrai aujourd'hui au regard de la rationalité, dans 100 ans, on se rendra compte, qu'on regardera les gens d'aujourd'hui qui se réfugiaient derrière un scientisme aride, comme nous regardons ceux du Moyen-Âge, où on brûlait les sorcières, où on brûlait les astronomes qui nous expliquaient que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Donc un peu d'humilité dans ce chemin vers l'intuition. L'humilité permet d'ouvrir une porte. En fait, encore une fois, je ne suis rien du tout. Je suis un idiot fini. Et je suis tout. Et je suis Dieu à la fois. Et la transcendance de ces polarités permet d'accéder à quelque chose qui se situe ici. C'est Krishnamurti qui disait « Être bien intégré dans une société malade n'est pas un signe de bonne santé. » Pourquoi la société est malade? Enfin, je crois que c'est pas la peine d'argumenter en ce sens. Un petit peu de bon sens permet de s'en rendre compte qu'en fait, on va dans le mur. Hein. Pourquoi on va dans le mur? Parce que, sans rentrer dans des considérations économico-politiques, le capitalisme est le cancer de l'humanité.
on réfléchit en termes d'argent, on réfléchit en termes de profit, on réfléchit en termes de possession, alors qu'en fait, dans l'achat d'un produit ou dans la consommation d'un produit ou d'un service, il y a plein de choses qui ne sont pas mesurées par l'argent. La durabilité, le bien-être qu'il procure, tout ça n'est pas mesuré. Et donc en fait, on prend une voie qui est complètement destructrice et névrotique. Voilà la direction qu'on prend. Le fond du problème, c'est que pour servir ces intérêts-là, consuméristes, on a dû nous couper de l'esprit, avec un grand E, ou de l'âme. On a dû nous couper, et ça a commencé avec les religions, hein, qui sont dogmatiques, et qui nous disent, voilà, la vérité c'est ça et pas autre chose, c'est le propre d'une religion, dont une des finalités est d'institutionnaliser, d'établir un ordre et de tenir les foules. On a commencé à nous couper de l'expérience directe, à nous couper de notre capacité, de notre droit fondamental de rentrer en contact avec quelque chose qui n'est pas intermédié, avec une dimension qui n'est pas définie par un livre, mais par l'expérience directe. Quelle est l'expérience que moi, je fais de mon intériorité ? Du coup, qu'est-ce que je pense du monde et de la direction qu'il prend ? C'est Teilhard de Chardin qui a dit « Le monde ne souffre pas, il enfante. » Moi, je vois tout ça d'un point de vue extrêmement positif. On est en crise. En chinois, crise et opportunité, c'est la même chose. Les crises s'accentuent. On n'a jamais été aussi peu en guerre, hein, cependant. Hein. On est dans la période la plus paisible, quasiment, de l'humanité. Par contre, on est en train d'épuiser quelque chose, et ça va mener, à un moment, on va arriver à un mur, et ça va mener à des transformations beaucoup plus fondamentales. Donc je vois ça d'une manière relativement positive. J'envisage toujours que, étant donné que nous faisons partie de la nature, que nous avons émergé du vivant en tant qu'humain pour créer quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes vraiment en train de détruire la nature ou est-ce qu'on est en train de la transformer ? Est-ce qu'on est en train de la pousser à se recréer d'une autre manière. Le seul arbitre, ça va être, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied ou pas ? Ou est-ce qu'on est en train de modifier quelque chose ? Est-ce qu'on est en train de créer un nouveau paradigme qui va permettre à l'intelligence du vivant de se propager de planète en planète ? Est-ce que ce n'est pas ça, notre seule raison d'être ? Il y a des idées intéressantes, très raccourcies, je les raccourcis, qui disent que le monde végétal a créé le monde animal pour transporter les graines. Qu'en est-il si le monde animal, si nous étions issus du monde animal pour transporter les mêmes graines, mais de planète en planète ? Et si notre seule raison d'être était tout simplement de faire ce que la nature n'arrive pas à faire, c'est-à-dire de transporter le vivant à travers l'univers au-delà de la petite sphère bleue qu'on est en train de détruire. C'est une hypothèse qui m'intéresse énormément. Elle rentre dans ce que les cerveaux les plus brillants de l'humanité, en astronomie, en cosmologie, appellent la panspermie dirigée, c'est-à-dire que les planètes sont contaminées par la vie. Toutes les planètes sont contaminées quasiment par la vie. Et en fait, aujourd'hui, on lit pas mal d'articles sur « y a-t-il de la vie dans l'univers ? Y a-t-il de la vie dans le système solaire ?» Selon moi, j'en suis persuadé, on se rendra compte d'ici quelques décennies qu'en fait, la vie est partout. Ce n'est pas une exception. La vie est absolument partout, partout, partout. Il n'y a que des conditions propices ou non propices à la vie. Et la question, quand aujourd'hui, en tant qu'espèce, nous propageons nous croyons propager la vie de planète en planète, en fait, la question c'est, est-ce qu'on va permettre à la vie d'émerger sur d'autres planètes ? Et c'est en cela que je trouve
ce point de vue intéressant qui est de dire on n'est pas en train de détruire, on est en train de transformer pour permettre une meilleure portabilité de la vie, pour permettre une meilleure expansion de cette substance dite divine, de cette intelligence du vivant, qui, je le répète, l'hypothèse étant que cette intelligence du vivant n'aurait pour seul but que de se répandre pour faire une expérience toujours plus riche. Je vis avec la conviction que la nature de la réalité est informationnelle. C'est-à-dire que ce qu'on perçoit ici, c'est de la matière. La matière à un niveau quantique, beaucoup d'entre nous ne savent même pas expliquer, ni moi, ce que c'est que le quantique, mais on va dire que c'est de l'infiniment petit. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du quantique? Il y a de l'information. Et l'information peut être stockée dans le vide, peut être stockée dans nos cellules, peut être stockée partout. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, aujourd'hui, on est capable de concevoir ce que c'est que l'information, puisque nous travaillons avec l'information, travaillons avec l'informatique, et la découverte de l'informatique, la découverte de tout ce qui a trait à la circulation de l'information dans un réseau qui, par exemple, est Internet, nous permet d'appréhender la réalité, puisque la question c'est quelle est la nature de la réalité, avec une lumière bien différente. C'est-à-dire on comprend l'informatique, donc à la lumière de la compréhension de la circulation d'informations dans la matière, on arrive à comprendre quelle est la nature de la réalité. Les plus grands de ce monde, alors pas les plus grands spirituellement, mais les plus puissants de ce monde, allouent une partie de leur fortune à essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est la nature de la réalité? Et en fait, que ce soit Neil deGrasse Tyson, que ce soit Elon Musk, que ce soit Stephen Hawking, que ce soit tous ces gens-là, il y a un consensus qui se dégage, c'est qu'il y a une chance sur 1 milliard que nous ne soyons pas dans une simulation informatique. C'est-à-dire qu'il est très 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 hautement improbable que le scénario de cette existence et la réalité soit ce que tout le monde croit. Et en fait, on se rend compte que tout peut être traduit d'une manière mathématique et informatique. Et en creusant un petit peu, on peut avoir encore une fois ou la cognition, si on a le bagage scientifique nécessaire, ou l'intuition, que tout ça n'a finalement rien de naturel. Et qu'il existe une intelligence derrière tout ça, qui orchestre tout ça, et on peut faire également le rapprochement avec le livre de Houellebecq, La possibilité du Nil. C'est un roman d'anticipation, je crois, on pourrait appeler ça un roman d'anticipation, dans lequel on peut transférer la conscience de corps en corps. Donc j'existe, je suis Stéphane 1.0, au moment où je sais que je vais mourir, on télécharge ma conscience sur un support informatique, on me clone, et ça devient Stéphane 2.0, avec un nouveau corps, une nouvelle vie, mais avec la conscience de l'1.0. Et dans le livre, il est, je crois, si je ne me trompe pas, Daniel 23.0. Et donc, on accède à une forme d'immortalité. On n'est pas très loin de ce genre de technologie, avec des sociétés comme Neuralink, qui arrivent dès à présent à faire des choses qui, pour certains, nous semblent pas très éthiques, mais qui arrivent déjà à faire du téléchargement de données dans le cerveau, de sorte à apprendre une langue beaucoup plus vite, ou d'apprendre des singes ou des porcs, puisque c'est les expériences qui sont faites aujourd'hui, à leur donner des informations à travers un implant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, imaginons un jour où le téléchargement de conscience peut se faire sur un support de stockage, et qu'on arrive à mettre ces consciences en réseau. Et si ces consciences en réseau avaient accès à ce qu'on appelle aujourd'hui Internet, c'est-à-dire à la somme des pensées et du savoir de l'humanité, qu'est-ce que ce serait si une conscience, une métaconscience formée de plein de consciences, avait accès à toutes les informations de l'humanité? Moi, ça me fait penser à quelque chose de divin, à une forme d'omniscience. Par contre, qui vit dans une réalité alternative, qui vit sur un stockage, qui vit dans de l'information, qui n'a pas d'existence physique, eh bien, il peut arriver pour cette entité-là, cette métaconscience qui a accès, qui est omnisciente, qui a accès absolument à tout le savoir de l'humanité, il peut lui arriver un éventuel désir.
Et le désir, c'est quoi? C'est de se faire matière. Et nous voilà. Et voilà comment nous sommes arrivés ici. Rien ne nous dit que tout ça n'est pas déjà arrivé. Et que nous sommes tout simplement l'expression jouissive et ludique d'une conscience qui souhaite s'expérimenter elle-même à travers une réalité matérielle. Voilà pour essayer de répondre à la question « Quelle est la nature de la réalité ?» La nature de la réalité, c'est quelque chose qui a déjà été répondu par les textes anciens fondateurs du bouddhisme, mais par contre, ils n'avaient pas l'informatique pour faire lumière. Donc aujourd'hui, mon postulat et ce que j'essaie d'expliquer, ça n'est rien d'autre qu'une interprétation supplémentaire de ce qui a déjà été dit il y a 3000 ans. Mais on le comprend mieux, puisqu'aujourd'hui, on crée des réalités alternatives. On est en train de créer des inframondes. Il va arriver un moment où la réalité virtuelle sera complètement indissociable. Il va arriver un moment où on pourra se projeter dans ce qu'on appelle aujourd'hui des jeux vidéo, avec un avatar, et on le voit dans certains films, dans le film du même nom, où on perd le contact avec notre réalité originelle. Cette réalité originelle, dans laquelle on a créé un inframonde, ou un jeu vidéo, ou une réalité alternative, elle est ascensionnée, puisqu'en fait, en créant des réalités alternatives, on descend. On crée des choses inférieures. Et c'est de là que vient le concept d'ascension spirituelle. Est-ce que j'ascende spirituellement? Est-ce que je reviens vers mon créateur? Ou est-ce que je descends dans des inframondes? Donc quand on se perd dans les jeux vidéo, quand on se perd dans des réalités alternatives, dans des addictions, on chute. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu l'idée biblique de la chute adamique ou de la chute dans la matière. L'esprit a chuté dans la matière. Tout ça, c'est décrit depuis des milliers d'années. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de monter spirituellement? Est-ce qu'on a envie d'une ascension? Et l'ascension, c'est, qu'est-ce qui nous a créé? Et c'est pas avec ça qu'on y accède, c'est avec ça. Et on peut le comprendre un petit peu mieux, on peut un petit peu comprendre mieux notre origine, en acceptant l'idée non anthropomorphique que nous sommes l'émanation d'une conscience qui a souhaité s'expérimenter elle-même. J'ai envie de dire l'incommensurable pouvoir de la curiosité. La curiosité, on croit que c'est quelque chose qui vient de nous à destination de l'extérieur. Et moi, je vis la curiosité comme quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous attire. Qu'est-ce qui fait que je suis curieux d'une chose? Est-ce que ça vient de moi? Ou est-ce que c'est cette chose qui appelle à être découverte? Souvent, dans notre vie, on fait des expériences, que ce soit des expériences difficiles, de la maladie, de rupture, d'accident, de deuil. Et en fait, chacune de ces expériences nous appelle à découvrir une autre dimension de nous-mêmes, rentrer en contact avec des émotions qui ont besoin d'être vécues, qui ont besoin d'être traversées. Et rien ne nous dit que c'est nous qui sommes aux commandes de ça. Et je vis avec l'intuition que quelque chose a besoin d'être découvert. On est constitué d'inconscient, un plus loin conscient, et d'un inconscient. C'est bien sûr Jung qui a développé ça. Moi, je compare ça à un iceberg. En fait, il y a une face visible, notre ego, notre identité, notre corps, et la face invisible représente plus ou moins 90% de la chose. Cette face invisible procède également de cette intelligence du vivant qui a envie de se découvrir. Et il y a ce qu'on appelle, selon moi, ce que j'ai envie d'appeler, un grand attracteur. Quelque chose en moi a besoin d'être découvert pour servir l'intelligence du vivant qui souhaite s'expérimenter elle-même. Et donc, la curiosité est ce canal qui va permettre d'ouvrir sur absolument tout. La curiosité est la propension à céder, en tout cas ma définition de la chose, c'est la propension à céder à ce qui appelle à être découvert. Encore faut-il ouvrir les yeux dessus, et je ne suis pas sûr, je crois que c'est Rumi qui disait ça, ce poète perse qui disait
le courage ou la curiosité est une histoire d'amour avec l'inconnu. Et enfin, on retrouve encore une fois ça, cette énergie de l'amour. L'énergie circule entre nous dans le vivant. Quelle est en fait l'impulsion de cette énergie? Mais c'est quelque chose d'assez abstrait qu'on appelle l'amour avec un grand A et qui en fait procède d'un irrépressible désir de retour à l'unité. Nous étions un, on a été expulsés dans cette vie à travers un accouchement avec une violence inouïe. C'est un arrachement, c'est le plus gros traumatisme de la vie. L'amour, c'est quoi? C'est vouloir y retourner. Et alors, on en cherche à y retourner à travers un être, à travers une moitié, à travers une personne qu'on aime, à travers une passion, à travers des enfants, à travers l'expérience directe. Et en fait, la curiosité, c'est ça. Elle est très proche. La curiosité, c'est très proche de l'amour. C'est se laisser happer par l'amour de l'inconnu. Voilà le message que j'aurais aimé transmettre. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci.